Amis voyageurs, bonjour! Quel budget pour un tour d'Europe en camping-car? Quel conseil pour louer un véhicule? Comment avoir internet en voyage? Est-ce qu'on va vendre Swingy? Et au fait, c'est quoi nos métiers? On va profiter d'un nouveau road trip pour répondre à toutes vos questions et on va vous faire gagner 3 séjours dans cette nouvelle destination. C'est parti! Elle, c'est Pauline. Et lui, c'est Simon. Deux créateurs passionnés de voyage. Après un tour d'Europe avec Swingy, on vous partage nos découvertes, nos conseils et nos rencontres. Vous trouverez ici nos road trips et un max d'inspiration pour construire votre propre aventure. Bienvenue dans nos péripéties. Abonnez-vous. Juste avant de commencer, vous allez le voir dans cette vidéo, il y a beaucoup d'informations. Le plus simple pour tout retrouver, c'est d'aller en bas de la vidéo dans la description. Si vous êtes sur mobile, ça s'affiche comme ça, sur ordinateur comme ça. N'hésitez vraiment pas à aller voir parce qu'on ne peut pas tout dire dans la vidéo, donc tout est en bas. Emmène dans notre région, la Franche-Comté, et plus précisément dans le Doubs. On perd pas de temps, on répond à la première question qui était: est-ce que vous pouviez nous donner quelques conseils sur la location? Eh bien, on a tout simplement une vidéo sur le sujet, aussi bien pour les gens qui veulent louer un camping-car que ceux qui veulent louer leur propre camping-car. Donc ça s'affiche quelque part. Juste là-haut, on met une playlist. Vous saurez combien vous pouvez gagner d'argent en louant votre propre camping-car et combien ça coûte de louer un van, un fourgon ou un camping-car. On sait que vous êtes nombreux à vouloir tester. Donc c'est très bien, ça permet en fait d'essayer un véhicule. C'est toujours mieux avant de l'acheter. Quels conseils on peut donner comme ça pour ceux qui voudraient se lancer? Et ben, tout simplement, c'est vraiment faire le tour avec le propriétaire parce que c'est lui qui connaît son véhicule et qui va vous donner tous les conseils pour que ça se passe très bien sur l'électricité, le gaz, l'eau, etc., etc. Très important. Et le reste, vous le retrouvez bien sûr dans notre vidéo où on vous parle justement de l'assurance, du prix, de comment ça se passe, des réservations, etc., etc. Et nous, vous le savez peut-être, on vous conseille Wikicampers, avec qui on a déjà testé un van. Vous trouverez notre expérience dans la vidéo tout là-haut. Et on a un code promo rien que pour vous. 20 euros de réduction, c'est toujours ça de prix. Le code est juste ici. Vous avez celle-ci et vous parlez de notre tour d'Europe, de savoir combien ça coûte. On va aller tout là-haut, au calme pour en parler. Alors, pour un tour d'Europe, nous on estime que c'est entre 15 et 20 000 euros. Mais il faut plutôt ramener en fait le budget au mois. Et ça va dépendre des pays que vous traversez. Dans les pays de l'Est, c'est moins cher. Vous pouvez compter aller 800 euros environ avec resto tous les jours. Dans les pays du Nord, c'est un peu plus cher. Ça peut aller jusqu'à 1 500 euros. Donc comptez environ 1 200 euros par mois. Alors bien sûr, tout ça dépend de vos besoins. Le principal poste de dépense, c'est bien sûr le carburant. Nous, on l'estime à 6 000 euros. Ça fait 35 pays. Sur 14 mois. 35 000 km et il y a aussi des ferries à prendre en compte qui sont assez chers. On a perdu Pauline dans la montée. Ah, j'ai essayé de faire ça avec classe. Tu peux pas nous expliquer comment tu as fait des économies? J'ai arrêté de fumer, ce qui me permet de monter ces escaliers d'une manière comme une gazelle. Forme. J'ai jamais fumé beaucoup, mais ça m'a permis quand même d'économiser 500 euros en un an. Vous savez peut-être qu'il y a les Marielle Trotters qui ont fait une formation pour savoir comment économiser quotidiennement. C'est un petit peu faire le point sur ses contrats, s'alléger du superflu. Mais si ça vous intéresse, on a un code promo, Périplessis 2021. Ça peut vous permettre de financer votre prochain voyage. Voilà, ça vous permet en fait de faire efficacement des économies et on trouve que c'est vraiment pas mal pour retourner aux fondamentaux. Next. Prochaine question. We'll be right back.
vraiment agréable ce cadre naturel. Nous sommes donc à Havane-Avenay, vers la base nautique. Ouais, enfin nous c'est plutôt à camping-car hein, qu'on est venu. À Havane. En parlant de véhicules, vous nous avez posé une question de savoir quels étaient les indispensables en fourgon, en van ou en camping-car. Ça c'est une très bonne question en effet. L'importance d'avoir l'essentiel en ne s'encombrant pas. Donc nous au fil des voyages on fait des aménagements, on change un petit peu ce qui nous est indispensable en fonction des saisons, en fonction de nos destinations. Et donc pour répondre à la question quels sont nos indispensables, eh ben, on a fait une checklist rien que pour vous. C'est gratuit, le lien il est dans la description, vous pouvez la télécharger et vous verrez tous les équipements qu'on utilise à la fois pour l'eau, le gaz, l'électricité, les aires de service, le stationnement, aussi également tous nos équipements informatiques, voilà, il y a tout ce qu'il faut. On a trouvé une superbe vue sur la vallée du Doubs, ça donne le vertige là. Oui, on est sur au niveau des ruines du château de Montferrand, à Montferrand-le-Château. La tour, les péripotes, la tour. Enchanté. Et on va répondre à une nouvelle question. Oui, notre prochaine destination, Pauline. Eh bien, ce sera la Belgique. La Belgique, qu'on adore comme destination, on l'a déjà fait par le passé et on va y retourner. Par la suite, on souhaitait faire les Pays-Baltes. Et aussi la Slovaquie, mais on préfère pas tirer de plan sur la comète. Vous savez, c'est compliqué, donc on se projette pas trop. Mais on a envie de repartir en Europe, ça c'est sûr. Donc pour tout savoir, abonnez-vous à notre compte Instagram, à notre chaîne YouTube aussi, puisque bien sûr, on va vous en parler. Parfait, on descend. À l'intérieur de Swingy, pour une question qu'on ne retrouve plus mais qu'on nous a posée sur les produits écologiques, respect de l'environnement, est-ce qu'on en utilise ? On a fait une vidéo sur le sujet, sur la manière de nettoyer le camping-car, donc on utilise effectivement que des produits qui sont plutôt naturels, bicarbonate, vinaigre blanc et pierre blanche parce que ça nettoie tout et très bien. Mais dans cette vidéo-là, on vous avait pas parlé des toilettes, parce que ça c'est un vaste sujet, on réfléchit beaucoup à cette question. À l'éventualité de mettre des toilettes sèches, mais ça pose quand même d'autres questions, donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore passé le pas. On a trouvé des produits qui limitent l'impact sur l'environnement avec la marque Matchem ou Matchem, je sais pas comment on dit. En tout cas, c'est bien parce que ça utilise des enzymes naturelles plutôt que du purement chimique. Bah, ça limite quand même votre impact. Donc on a celui-là pour la cassette. Ouais, pour nos WC chimiques. Un traitement sur odorant parce que la question des toilettes sèches, elle se pose par rapport aux odeurs et notamment en été. Plus il fait chaud à l'intérieur du camping-car, plus les canalisations, même celles des eaux grises, elles sentent. Et ça, c'est quand même valable pour beaucoup de véhicules itinérants. D'habitude, on utilisait des pastilles très chimique, donc là on est content. Petit inconvénient, bah forcément ça prend à peine plus de place et on a un autre produit qu'on a testé qu'on aime bien. En parlant d'odeur, celui-ci. C'est un gel pour la cuvette des toilettes. C'est vrai qu'au niveau des odeurs, au niveau de la propreté de la cuvette, ça marche plutôt très bien. Moi quand j'ai vu la première fois, j'ai fait, vous êtes sûr que c'est naturel ça? Et j'ai regardé la composition, franchement c'est des enzymes qui agissent effectivement. C'est donc, pas du curaçao, hein. C'est pas pour les cocktails de l'été. Hein. Non, faut éviter je pense quand même. C'est pour ça que je dis limite sur l'environnement, parce que aucun produit, même ce que vous utilisez, le plus écologique que vous utilisez, n'a pas d'impact sur l'environnement en fait. Donc le tout c'est de trouver les produits les moins agressifs. À la base cette marque travaille dans l'univers des bateaux pour la protection aussi des eaux. En tout cas on a testé ces produits, on vous les recommande, ils sont dans notre checklist d'indispensables. D'ailleurs on a un code promo avec la concession Rémi Frère, le code promo s'affiche là, les infos sont aussi dans la description. C'est une concession française et familiale, donc si vous souhaitez les acheter n'hésitez pas à passer par eux, ça soutient aussi nos périplessies et c'est toujours mieux que d'acheter sur des grands sites de e-commerce. Alors, c'est l'heure de vous parler de notre concours en partenariat avec Le Grand Besançon pour gagner des lots, pour vivre un peu notre road trip dans Le Grand Besançon au fil du Doubs. Il y a des lots pour deux personnes d'une valeur de 250 euros à gagner avec des repas au restaurant, des activités, des passes tourisme, des bons d'achat pour des produits locaux. Alors pour participer, c'est simple, laissez-nous un commentaire avec le hashtag Grand Besançon. On en tirera 3 au hasard, 3 lots donc pour deux personnes et puis on annoncera les gagnants dans le post communauté YouTube. Et cerise sur le gâteau, on rajoute des goodies périplessies. Ça c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Ouais, il y a des mugs, des stickers, le calendrier 2021
2022 de Périphétie pour noter votre date de road trip et ce qu'on trouvera aussi de sympa à vous mettre avec pour vous gâter. La boutique est ouverte quelques mois seulement sur notre site internet. Ça vous permet de soutenir la chaîne si vous le voulez. Donc si vous voulez jeter un coup d'œil, allez-y. Toutes les infos sur le concours et sur notre boutique, tout est dans la description juste en dessous de cette vidéo, comme d'habitude. On est à Ossel sur la base de loisirs. On est arrivé hier soir. On a même eu le droit à quelques éclaircies et à faire un petit tour en paddle. Franchement, un superbe site. Et donc, c'est le moment de répondre à une nouvelle question, Pauline. J'ai loupé un truc. Est-ce que vous êtes nomade? Alors, non, on n'est pas nomade. T'as loupé un truc? Ben, la question c'était ça. J'ai loupé un truc. Est-ce que vous êtes nomade? Donc, non, on n'est pas nomade. Nous, on aime bien se décrire semi-nomade parce qu'il y a une partie de l'année où on bosse chez nous en tant que. Vous le saurez tout à l'heure. Suspense, t'as vu le suspense que j'arrive à ménager? Pas mal. Et une autre où on se ménage des temps longs pour être sur les routes. Et ceci, c'est facilité parce qu'une partie de nos activités est compatible à distance sur les routes. C'est un peu finalement comme si on était saisonnier, on essaye de trouver l'équilibre entre des périodes longues de voyage et le travail pour gagner sa croûte. Tout est une histoire d'équilibre. Ouais. Et des fois, c'est pas toujours simple parce qu'il faut aussi coordonner nos agendas. Et des fois, il y a des épidémies mondiales qui se pointent et qui détruisent tous vos projets. En tout cas, après le tour d'Europe, on s'est posé la question. On a fait le choix d'avoir un pied à terre. On aime bien en effet cet équilibre-là entre voyager, découvrir, mais aussi le plaisir de revenir chez nous, de pouvoir poser un petit peu les valises dans les deux sens du terme. Donc ça nous convient. Nous, on vous laisse, on va poursuivre la journée et on se retrouve donc tout de suite pour vous parler de nos métiers. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie, Pauline? Parce que j'ai ménagé le suspense. Bah oui. Eh bien, qui dit Grand Besançon, dit Besançon. Et la nous y voilà. Centre, nous y voilà. Et en plus, il y a une aire de camping-car qui est vraiment en plein centre-ville. Ça, c'est super pratique. Hein. Le tram passe juste à côté, à pied, pour aller découvrir tout ce qu'il y a dans la ville. Et il y a pas mal de choses intéressantes. Donc, on va vous montrer un petit peu la ville et vous offrir le meilleur point de vue. Oui, et on va aussi vous parler de nos métiers. C'est parti. On s'est mis à l'ombre, hein, parce que là... L'ascension est chaleureuse. Jusqu'à la citadelle de Vauban, patrimoine mondial de l'UNESCO. Les fortifications Vauban, il y en a un peu partout en France. Hein. Dites-nous d'ailleurs si vous en connaissez d'autres. Ah, c'est le Vauban qui est en train de passer avec sa R2. Point fort de cette citadelle, en effet, la vue sur la boucle du Doubs. On va vite y aller. Bien, nous voici sur les hauteurs de Besançon. La vue est à tomber. Hein. Ouais, c'est une des figures imposées de Besançon à la citadelle. Et à l'intérieur du bâtiment, vous avez plusieurs espaces muséographiques. Un zoo également, même si on n'est pas très fan des zoos. Mais on trouve que c'est bien parce qu'à Besançon, ils ont décidé la fin des fauves pour le bien de la cause animale. Et on trouve que ça, c'est plutôt chouette. Et donc derrière nous, Besançon, la ville où Pauline et Simon ont fait ses études, donc ça nous rappelle beaucoup de souvenirs et c'est l'occasion de vous dire quels sont nos métiers. C'est une des questions que vous nous avez posées. Oui, alors quels sont nos métiers? Nous, à la base, on vient de l'information. J'étais journaliste et Simon, il était photographe. Et puis après avoir exercé pendant longtemps en tant qu'auto-entrepreneur, on a lancé des années et des années. L'année dernière, une SAS,
pour de la création de contenu de communication. Donc on bosse pour les marques, les entreprises, les collectivités. L'étendue est très large, donc ce serait dur de vous faire toute la liste. Articles, photos, vidéos, gestion de réseaux sociaux, pour résumer. Et à côté, on a la chaîne YouTube qui n'est pas notre activité principale. C'est quelque chose qu'on fait avec plaisir, qu'on aime bien aussi. Mais vous vous en doutez, plus on consacre de temps à la chaîne YouTube, moins c'est de temps passé sur l'entreprise. Donc on essaye de trouver le juste équilibre. On essaye de vous partager nos péripéties un dimanche sur deux. Pour l'instant, on y arrive, ou presque. En tout cas, on le fait toujours avec plaisir, en effet. Et il faut que ça le reste. Oui, donc merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre, voire descendre, et puis on se retrouve tout de suite pour une autre question. C'est pas un van lifer là, hein. On l'a ramassé au pied du monument aux morts, voilà. Les gens irrespectueux, c'est de partout. Petit clin d'œil à notre vidéo stationnement et les bons comportements à adopter. Alors là, on est à la chapelle des Buis, un des points de vue qui domine Besançon. Parce que Besançon est entouré de plein de collines, donc plein de points de vue potentiels avec des forts. Et comment on est arrivé ici? Avec des VTT qu'on a loués. Et du coup, ça fait une super transition avec une question que vous nous avez posée. C'était pas du tout prévu. Au niveau des articulations, des modes de déplacement. Des trottinettes électriques, est-ce que c'est bien ou bof? Nous, on a testé, c'était dans le cadre du partenariat avec Pilote, la vidéo est tout là-haut. Donc, on peut pas vous donner la marque, on sait plus d'ailleurs. Elles étaient très bien, ça permet de découvrir vraiment plein de choses. Bah, le seul petit inconvénient, c'est que c'est d'électrique, donc il faut recharger. Donc après, si vous êtes en camping ou sur une aire de service, ça se recharge. Mais sinon, nous, on est plutôt pro vélo. Pour le côté complémentarité de déplacement, flexibilité, liberté. Vous pouvez vous garer un peu en extérieur des villes et puis donc aller au centre-ville, découvrir encore plus de choses. Et alors, on nous a demandé ce qui valait le mieux parce qu'on commence à avoir testé plusieurs moyens de mobilité, VTT, trottinette électrique, vélo classique, vélo électrique, enfin bref, un peu tout. Et au final, on trouve que ce qui est encore le plus pratique, c'est vraiment les vélos de base. Nous, on a deux vélos, c'est des vélos Between de Decathlon, c'est pas un placement de produit, hein. Mais ils nous ont servi pour le Tour d'Europe, ils ont été bien utiles. On s'en est fait voler un, c'est qui devait être bien d'ailleurs. C'est ça. Puis si on veut vraiment découvrir une destination avec des vélos électriques, ben, les louer c'est encore beaucoup plus pratique parce que c'est pas forcément très cher. Vous pouvez le faire à la journée. Les vélos comme on a là, ça coûte à l'unité 7000 euros. Donc c'est quand même un investissement. Là par jour, ça nous coûte moins de 50 euros la journée. Ouais, aujourd'hui on a décidé d'explorer tous les forts de Besançon. Donc il y en a plein, c'est à plus de 500 mètres de dénivelé. Et c'est parfait vraiment pour découvrir tout ce qui est autour et faire des dizaines et des dizaines de kilomètres. Nous on s'est bien dépensé, on a fait une grande balade à vélo. Et ce qui est bien avec le camping-car, c'est qu'on va pouvoir passer d'une journée sportive à une petite soirée resto. Et douche comprise. Bienvenue aux Maisons Pontoises, une super halte en camping-car puisqu'il y a une aire de stationnement qui est juste à côté. Qu'est-ce que c'est les Maisons Pontoises? C'est un musée à ciel ouvert. Vous avez des habitats typiques de Franche-Comté, mais pas que. Il y a aussi pas mal d'ateliers, d'activités qui sont tournés à la fois vers les activités d'autrefois et aussi vers l'avenir parce qu'il y a une grande réflexion sur nos manières de vivre, nos manières de consommer avec des jardins bio, de la permaculture, des métiers qui reviennent à la mode et aussi certains sujets de débat comme la relation homme-animal. Donc c'est vraiment un endroit déjà paisible et un endroit de ressources pédagogiques intéressantes et franchement on s'y sent super bien. J'ai étendu mon linge. Fraîcheur nature.
Oui, ça c'est à Nancray. C'est une bonne visite à faire quand on voyage en camping-car. Des bons plans d'ailleurs, il y en a plein notre site internet pour trouver toutes les bonnes adresses qu'on a testées et puis toutes les infos sur ce circuit sur notre site www.periplessis.fr. Et d'ailleurs, on nous a demandé pourquoi on ne faisait pas tant que ça la promotion de ce site internet. Oui, c'est vrai. En fait, tout simplement, on n'alimente pas ce site autant qu'on le voudrait parce qu'il faut qu'on fasse des choix. Donc on a fait le choix d'alimenter beaucoup la chaîne YouTube, enfin autant que possible la chaîne YouTube. Et c'est vrai que le site internet passe après. Mais c'est important que vous vous connectiez dessus si vous cherchez les circuits qu'on a fait, parce qu'on est beaucoup plus complet, comme disait Simon. Vous pouvez trouver encore plus d'inspiration. Il y a des cartes de nos circuits en France et aussi des sujets un petit peu plus tuto, conseils pratiques. Enfin, n'hésitez pas à aller faire un tour et à nous laisser un petit commentaire aussi pour nous dire ce que vous en pensez. Voilà, et qu'est-ce que vous pensez aussi de notre démarche quand on marche en parlant, parce que c'est un grand apprentissage. Je crois bien que c'est un petit peu... On verra ce que ça donne. Mais c'était peut-être pas une bonne idée. Alors, on maîtrise pas encore la marche en parlant. Pensez marcherbouger.fr. Alors vous nous avez demandé comment on faisait avec internet en voyage. Et ben, il y a quelques années de ça, quand on est parti en tour d'Europe, c'était pas si facile que ça. Les données, c'était un peu plus cher, beaucoup plus cher même, et dans chaque pays où on allait, on achetait une carte SIM. Maintenant, c'est beaucoup plus facile. Alors pour avoir internet, il y a plusieurs possibilités. Nous, on utilise notre téléphone, enfin on en a deux d'ailleurs, sur deux réseaux différents, donc ça c'est pratique. Utilise la fonction routeur, en fait c'est simplement un modem sur lequel vous allez pouvoir vous connecter vos ordinateurs. Alors ça dépend des forfaits, pour avoir 20, 50 gigas, 100 gigas. En France, les prix sont quand même assez abordables. Certains forfaits comme le nôtre ont aussi des gigas pour l'Europe. Nous on a 25 gigas par mois pour l'Europe, et ça c'est tout nouveau. On vient d'acheter un routeur modem beaucoup plus puissant. Alors c'est pas un placement de produit, on en est très content parce que c'est super simple. On vient d'acheter une carte SIM qu'on introduit juste là, et donc ça sert de modem pour plein d'appareils, donc à la fois nos téléphones et nos ordinateurs. Là on a pris une carte SIM qui va nous coûter 15,99 par mois pour giga illimité. Le modem coûte un petit peu cher, faut compter 250€ environ. Ça nous permettra encore en tour d'Europe donc d'acheter des cartes SIM locales et de pouvoir nous connecter encore plus facilement. Alors pourquoi on a pris un forfait data en plus? C'est vrai que le téléphone c'est des fois amplement suffisant pour naviguer sur internet, regarder quelques séries, documentaires, etc. Si vous êtes en voyage, si vous aimez ça, consultez votre boîte mail. Mais pour nous qui uploadons des vidéos sur YouTube, il nous faut quand même pas mal de data, donc on voulait vraiment un modem pour exclusivement télécharger nos vidéos sur YouTube. Et le petit conseil c'est de regarder les offres qu'il y a en data, en forfait mobile, parce qu'il y en a beaucoup régulièrement, il y a plein de promotions, donc c'est facile de faire jouer à la concurrence. C'est sans engagement, donc vous pouvez vous désabonner et repasser chez quelqu'un d'autre plus tard. C'est assez pratique. Alors on nous a demandé comment on faisait en voyage pour le courrier. Et ben nous la question s'était pas posée. Pendant notre tour d'Europe, on a fait suivre notre courrier chez les parents de Simon. Mais sinon, il y a des services de courrier par correspondance où vous faites suivre un courrier à une plateforme qui vous scanne le courrier, comme ça vous pouvez le consulter. Bah, parmi les plus connus, il y a le courrier du voyageur, mais il y en a sûrement d'autres, donc vous pouvez vous renseigner là-dessus. Ouais, ça c'est plutôt pratique pour tout ce qui est courrier administratif, même si quand même de plus en plus les courriers vous les recevez par mail, hein, donc le but c'est de tout dématérialiser aussi, de contacter un petit peu vos différents interlocuteurs habituels pour que vous achemine votre courrier par mail. C'est quand même plus simple et plus écologique. Santé les péripotes! Petit apéritif local avec des produits de la fruitière locale de Fontain, avec du comté, du morbier bien sûr, mais aussi quelques fromages de brebis et de la bière, ça c'est pour le réconfort. Et tout ça en compagnie de Swingy qui a trouvé un beau petit bivouac pour ce soir. Et vous nous avez posé la question de savoir si notre petit camping-car, on allait s'en séparer, est-ce qu'on allait changer? C'est vrai qu'on a testé un camping-car plus grand, beaucoup plus luxueux que le nôtre, la vidéo est là-haut. Vous nous avez demandé aussi si on allait le faire évoluer en 4x4 ou autre, et si on allait le vendre.
C'est une question qu'on nous pose souvent, savoir si oui. on voulait s'en séparer, mais non. Non, on le garde. Il est passe-partout, il est hyper pratique parce que ces modèles-là, on pense pouvoir voyager un peu partout et toujours trouver de quoi être dépanné, avoir des pièces de rechange de partout. Donc ça, c'est super important pour nous. En tout cas, non, il n'est pas à vendre. On sait qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui cherchent des modèles comme celui-ci. Il y en a quelques-uns qui ont eu la chance de le trouver. On le sait parce que vous nous avez envoyé quelques messages, ça fait toujours plaisir. Et là, il se fait quand même de plus en plus rare ce modèle. C'est dur à trouver, donc ouais, vraiment, il a ses qualités, il a aussi ses défauts, la motorisation par exemple, mais on le garde et on va le garder encore pendant quelques années parce qu'on y est vraiment attaché. Puis on fait des modifications, on a réaménagé l'intérieur, vous l'avez vu, en changeant les tissus notamment. La vidéo est là-haut aussi. On a amélioré le lit aussi, le couchage, en mettant un petit matelas modulo flex, vraiment qui a amélioré nos nuits considérablement. Ouais, donc on a envie encore de voyager pendant longtemps avec. Si le contrôle technique nous le permet. On croise les doigts, on touche du bois, et il n'y a pas de bois, on touche du singe. Du singe. C'est la dernière étape de notre circuit dans le Doubs, et pas des moindres, hein, le site derrière nous, c'est les Salines Royales d'Arquesnans. Ouais, imaginé par Claude Nicolas Ledoux. Cet édifice, il est vraiment superbe, nous on adore. Il est d'ailleurs classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme l'était la citadelle de Vauban précédemment. Il y en a trois en Franche-Comté. Le dernier, c'est la chapelle de Ronchamp de Le Corbusier. Un autre architecte. Avec cet édifice en demi-cercle qui décrit la course du soleil, tous ces bâtiments qui sont d'une symétrie parfaite, enfin, c'est vraiment génial. Et autour de la saline, vous avez aussi les jardins, donc c'est vraiment un site à découvrir. Il y a d'ailleurs une aire de camping-car juste à côté, donc franchement, c'est parfait. On espère que ce format de vidéo vous a plu. Merci encore d'être aussi nombreux à nous suivre. Et vous pouvez retrouver d'autres idées de circuits en France ou en Europe juste là en cliquant sur cette playlist. A bientôt les péripotes, à bon voyageur, salut. Alors, tes sensations ? Des boules là.